Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo assemblage de figurines. Je sais que vous aimez ça, on l'a déjà fait sur les Dragon Ball, on l'avait déjà fait sur le Jordan, donc je sais que vous êtes friands de ce genre d'assemblage et ce qu'on appelle du kit bash. Le kit se comporte donc de deux éléments. On a le premier élément qui va être le set créé par Superduck, donc un set qui existe en deux coloris, un Ryu en version bleue et un Ryu en version blanche. Celui qu'on va assembler aujourd'hui, ça va être la version blanche, car c'est celui qu'a pris mon ami Xavier. Donc Xavier, un grand merci à toi de nous faire bénéficier bien de la review de cette figurine. Donc, premier set, le set donc de chez Superduck. Vous aurez dans la description de toute façon le lien pour vous le procurer si cela vous intéresse. On découvre après ce qu'il y a à l'intérieur. Deuxième partie qu'on aura besoin, ça va être un body, puisqu'ici il n'y a juste qu'un set de vêtements avec des mains et le HS, et il faut forcément un body. Le body conseillé par Superduck va être le Fison M34, donc body qui va ressembler à ceci, hyper musclé pour avoir justement la musculature hyper développée de Ryu. Donc ça va être le body M34 avec le kit Superduck. On passe tout de suite bien au contenu de tout ça et à l'assemblage. Donc comme je vous l'ai dit les amis, l'assemblage, la base va être donc le body M34 de chez Fison. Il est juste monstrueux ce body. Toujours des articulations de fou, puisque le body est toujours sur un squelette métal. Donc on fait vraiment ce que l'on a envie. Aucun body ne vous permettra de faire ce que permet de faire un body Fison. Au niveau des poses et du réalisme des poses, vous ne ferez jamais ce genre de choses avec un body Hot Toys. Voilà, impossible. Tout se met bien, les pliures restent très naturelles, même quand on lève les bras, on n'a pas des sales pliures dégueulasses, tout est vraiment hyper bien géré avec ces bodies, c'est vraiment les bodies par excellence. Le seul petit défaut qu'ont ces bodies, qu'il faut faire super attention, c'est de ne pas laisser vraiment des frictions en extrême. Quand je veux dire extrême, c'est vraiment appuyer à mort comme ceci, sinon au bout de quelques semaines ou quelques mois, la déchirure va se créer ici. Donc on peut plier comme ceci sans problème, là la pliure n'est pas extrême, mais évitez vraiment de plier au maximum le métal pour ne pas que ça force et que ça déchire. Mais sinon vous faites vraiment ce que vous voulez avec ce type de body, puis regardez-moi la musculature de ouf, je pense que ça va nous faire un Ryu de malade. Alors qu'est-ce que l'on a d'autre à l'intérieur de la boîte? Pas mal d'éléments, donc on a forcément kimono. Je pense que ça s'appelle comme ça, hein. C'est le kimono blanc que porte Ryu, dans une espèce de toile de jute, hein, une espèce de tissu vraiment très bien représenté, déchiré sur le bas pour vraiment avoir la représentation du personnage, un scratch pour la ceinture. Donc non, à ce niveau-là, franchement, le pantalon est plutôt bien. Puis il va être un petit peu plus court que prévu par rapport à un pantalon classique pour justement être accurate au jeu vidéo. On a ensuite la partie haute de la veste, déchirée également au niveau des bras pour laisser apparaître les bras de Ryu, dans la même matière de tissu, dans le tailoring est très très propre. On a également une ceinture câblée ou pas, je regarde, oui, câblée. Donc on a une ceinture câblée toute noire avec, oui, avec les inscriptions japonaises qui sont donc ici dessus, donc nickel à ce niveau-là aussi. On a ensuite plusieurs gants, donc avec différentes mains. Donc alors qu'est-ce que l'on a? On a des gants fermés avec les inscriptions dessus, donc des gants avec deux points fermés, donc ça nickel, et puis des mains ouvertes. À mon avis, pour faire l'Hadouken, donc je pense que ça doit être ses mains. Voilà, ouais. Quand on met les mains comme ça, on a vraiment Hadouken. J'ai toujours ce son dans la tête, j'en peux rien. Et le Shoryuken quand il fait l'Uppercut. Donc j'ai toujours ces deux sons avec le jeu, puisque forcément, je pense que Street Fighter nous a tous bercés, étant plus jeune, et encore maintenant, puisque Street Fighter continue à sortir. Donc on a vraiment les mains de l'Hadouken. Et puis on pourra faire le Shoryuken également avec l'Uppercut, avec ce point fermé. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Eh bien, justement, on a les effets de la boule, donc de l'Hadouken. Hadouken, ne m'en veuillez pas hein, si je déforme le nom. Donc avec une tige, oui c'est ça. Donc il y a un socle plexi dans lequel il y a une tige qui va venir se mettre à l'intérieur, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Et puis on va pouvoir, ouais, ok. Vu que l'Hadouken est quand même assez lourd au niveau du poids, malgré que c'est du plastique, c'est quand même très très lourd, on ne pourra pas le faire tenir dans les mains. Donc l'effet, on aura une petite tige comme celle-ci à venir mettre pour justement faire l'effet devant la figurine si on veut faire cet effet d'attaque. On a également l'Uppercut, donc le Shoryuken, où on a un petit trou également ici pour pouvoir mettre la main et avoir justement l'effet de la figurine en plein vol en faisant son Uppercut. Donc très joli également cet effet. Franchement, c'est top. La tête également. Ouais, correct, franchement correct, avec deux petites parties de tissu pour faire son bandana, câblé également pour donner le volume et l'effet qu'on veut. Ah, c'est déclipsé, c'est pas très grave. Eh bien, franchement, on fait vraiment ce qu'on veut. Franchement, nickel. Le visage,
Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je suis pas hyper connaisseur en Street Fighter. J'y ai joué dans le passé, mais forcément à des jeux 2D, donc c'était pas ce visage-là. Peut-être que dans les versions nouvelles, on a ce visage qui est très 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 fâché, très en colère, très sérieux. Vous me direz ce que vous en pensez. Les cheveux en spike sont bien gérés également. On verra au niveau du visuel. Vous me direz s'il ressemble à Ryu. Eh bien, écoutez, je vais assembler tout ça, les amis, et puis on se retrouve tout de suite après l'assemblage. Voilà les amis, figurines assemblées. J'ai pas trop galéré au niveau de l'assemblage du costume. Au niveau des jambes, forcément, comme c'est une matière silicone, ben, ça colle au pantalon. Il suffit de faire gauche, droite et vous arrivez à le mettre facilement. La veste est mise plutôt facilement également. Ou par contre, il faut faire attention, c'est au niveau de la tête. Le pegs, il faut l'enlever de la tête. Comme vous avez vu pendant le montage, le chauffer eh bien, avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique pour ramollir le plastique. Et puis vous l'enfichez sur le body ficelle. Ensuite, eh bien, vous prenez la tête et vous l'enfichez sur le pegs en appuyant très très fort parce que le pegs, forcément, étant un petit peu élargi avec la grosse boule de Fissen, eh bien, il faut un petit peu forcer pour que la tête rentre, mais ça rentre parfaitement et ça fonctionne bien. Également au niveau des mains, vous avez vu, j'ai dû chauffer également l'intérieur des mains pour ramollir eh bien, l'intérieur du pegs pour pouvoir mettre la tige métal facilement dans la main et pouvoir, à ce moment-là, bah, mettre les poignets comme je voulais. Donc, c'est les deux choses à faire attention et ça arrive souvent au niveau du plastique qu'il faille ramollir un tout petit peu pour pouvoir en ficher, mais rien de bien grave. Hot Toys aussi le conseille sur certaines choses pour retirer les pegs, etc., de chauffer au sèche-cheveux. Donc ça, c'est hyper facile. Voilà la première pose en Hadouken. Je trouve que l'Hadouken est un petit peu, au niveau de la boule, un petit peu trop bas. Ça aurait été bien d'avoir une tige un petit peu plus haute pour l'avoir vraiment au niveau des mains, parce que là, il faut le fléchir un petit peu plus bas pour que ce soit au niveau des mains. Mais ça fait le boulot, l'effet translucide est plutôt pas mal géré, donc on a vraiment l'impression que la boule part de ses mains. On peut mettre les mains en bonne position également pour pouvoir faire l'attaque de Ryu. Donc je trouve que franchement la réalisation est plutôt bien. Au niveau du HS, je trouve que l'air sévère est plutôt bien géré également. Vous me direz vous dans les commentaires si ça ressemble au jeu, mais pour moi en tout cas le HS est pas foiré. Je trouve que c'est plutôt bien. Très difficile également de donner une bonne forme à la ceinture. Donc faites bien un double nœud pour ne pas qu'elle se relève et qu'elle donne vraiment dégueulasse. Donc là également, il faut donner une certaine forme pour que la ceinture se donne convenablement. Mais personnellement, je trouve que la réalisation, hop purée, elle va tomber. Hop, voilà. Je trouve que la réalisation est plutôt bien gérée. On a vraiment un personnage de Street Fighter qui n'a jamais été produit auparavant par une autre marque. Il y a pas mal également d'autres figurines qui vont arriver dans la gamme Street Fighter. Je trouve qu'on a quelque chose qui peut plaire à énormément de monde, étant un jeu quand même ultra, ultra culte. Écoutez, ben, je vais faire l'autre pose. On va essayer la pose avec le Shoryuken, donc avec l'Uppercut, et on va voir ce que ça va donner. Par contre, le truc pour l'Uppercut, il faut à mon avis avoir un stand dynamique. Vous savez, les stands type Hot Toys avec une tige flexible pour pouvoir le surélever, ce que je n'ai pas moi là sous la main. Mais bon, on va essayer de faire avec les moyens du bord pour voir ce que ça donne. A tout de suite. Voilà les amis, deuxième pose avec à ce moment-là l'Uppercut. Et bien, la fameuse attaque également de Ryu et de Ken, hein, puisque tous les deux ont la même attaque au niveau de ce coup de poing. Ken, lui, a plus un effet rouge quand il donne cet uppercut, et Ryu a l'effet bleu. Je trouve que franchement, l'effet de dynamique est vraiment bien donné. On a l'impression d'être dans le jeu vidéo. Franchement, je trouve ça nickel. Seul petit bémol, c'est qu'on peut mettre uniquement dans cette position-là, donc on ne peut pas mettre par exemple cet effet sur l'autre bras. Vous ne pourrez pas mettre dans l'autre sens parce que le trou se trouvant eh bien, dans la flamme est vraiment adapté eh bien, à la main droite et pas à la main gauche. Mais bon, mis à part ça,
Si vous mettez un autre personnage devant, Ken, Giles, peu importe, Giles, que ce soit après Chun-Li, il y en a pas mal qui vont arriver, Vega également. Donc il y en a beaucoup qui vont arriver en personnage que je vous fais découvrir sur la chaîne grâce à mon ami Xavier qui est en train de faire la collection. Donc on a pas mal de personnages et on peut se faire des petites scénettes avec peut-être un diorama derrière ou un petit fond représentant les fonds des jeux. Il y a moyen de faire quelque chose de plutôt pas mal au niveau d'une Detolf ou au niveau d'une Besta et faire une représentation du jeu vidéo avec ces figurines 1/6. Je vous fais un petit visuel de près du HS, du costume, etc. que vous puissiez voir ce qu'il en est. Et puis on se retrouvera pour la conclusion, les amis. À tout de suite. Les amis, conclusion rapide sur ce super de Kryu. Ben personnellement, moi je trouve que ça fait le job. C'est beaucoup plus joli que ce qui était en tout cas présenté avec les Dragon Ball. Vous vous souvenez les deux Dragon Ball que je vous avais fait, vous avez été beaucoup à critiquer que ça faisait beaucoup trop bronzé ce genre de choses par rapport à ce qu'on connaît de l'animé. Ici, par rapport aux jeux vidéo, le visage et le body sont pour moi dans une teinte similaire. La tête est un petit peu légèrement plus bronzée que le corps, mais ça c'est l'effet silicone qui donne cet effet de couleur un petit peu différent. Mais dans l'ensemble, ça ne cloche pas énormément. Je trouve que c'est plutôt bien géré. On peut également, si on ne veut pas mettre les gants, mais mettre les mains classiques qui sont fournies avec le body. Mais forcément, Ryu, lui, a des gants dans le jeu vidéo, donc autant l'exposer avec les gants qui sont fournis. Donc pas de problème au niveau de l'assemblage, juste bien faire attention au niveau des mains et de la tête, de bien chauffer au sèche-cheveux avant pour ramollir le plastique, pour avoir facile de tout mettre. Le visage, personnellement, moi je trouve qu'il ressemble au jeu vidéo. Ça, c'est vous qui me direz dans la description si ça l'est ou si ça l'est pas. Les effets, en tout cas d'attaque, sont très bien gérés également. Juste petit regret au niveau du Hadouken. Qu'il soit pas un tout petit peu plus haut sur la tige, ma foi, c'est vraiment si on vient à chipoter. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est pas très très cher, on a aux alentours de 100€ pour le kit de vêtements et il faut compter 50€ pour le body, donc ça fait 150€ la figurine complète. Maintenant, je sais que mon ami Xavier va faire tous les personnages de Street Fighter, donc moi je ne manquerai pas de vous les faire découvrir. Si la figurine vous intéresse, les amis, dans la description vous trouvez de toute façon le lien pour vous la procurer. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut et un petit abonnement si vous n'êtes pas encore abonné. Merci à tous, c'est tout pour notre ami Ryu et c'est tout pour moi. On se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Salut.